Et salut les amis. Salut. David, Rio, Saint-Jean-Cap-Ferrat, la belle vie, les vacances, la plage. Voilà, on est en fait aujourd'hui on est en restriction d'essence comme tout le monde. Donc on s'est dit on va pas aller trop loin. Là, alors on a mis combien, 40 minutes pour faire Nice Saint-Jean-Cap-Ferrat. On a mis 40 minutes parce qu'il y a la station Total où il y a une queue qui bouge toute la route, donc 45 minutes pour venir. Un truc de fou, regardez comme elle est belle, cette eau. Ça donne envie, hein. Je suis sûr qu'elle est chaude. Oh, elle est hyper bonne. Waouh. Ah non, mais là, tu cours, tu plonges, quoi. Bon, bah voilà, du coup, on va se faire le petit sentier du littoral, là. Et puis voilà, quoi. Il fait hyper beau. Et regardez, c'est où j'étais la dernière vidéo où je médite. C'est le Fort Saint-Alban qui est juste en face, là. Voilà. Allez, voilà, ça change un peu de la montagne. Regardez la chance qu'on a d'avoir ce temps magnifique en t-shirt. Ah mais il est bien lui là. Ah, il y en a ici, hein, ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous, hein, je vous le dis. Là, on est un petit peu dans un autre monde. Hein. Pourrait dire presque le monde des bisounours. J'aime bien là, j'ai vu ça. Avant on pensait Covid et maintenant on pense Coplin. C'est tellement ça.
Non mais là c'est une invitation au plongeon. Regarde, alors nous sommes chez comment il s'appelle Iron Man là, Stark. On dirait pas sa maison là-haut. Ah ouais. C'est une quand même une petite invitation au plongeon. Hein. Non mais il fait un temps de fou. Ah, lui il est pas emmerdé, je pense, par la crise. C'est chouette, hein? C'est chouette. Alors là, autant dire l'été, ça doit être pris d'assaut. Et là, il n'y a personne. Regarde-le, lui, avec sa petite baraque là-haut. Pas bien, lui aussi? Waouh! Tu escalades partout. Ah, regarde. Ah, c'est Stark qui rentre chez lui. Iron Man. Ah, il vole bas comme ça, lui. C'est fou, oh. Puis après on vient de faire chier avec ton drone, tu vois. Bon les amis, je vous confirme, on est bien chez Tony Stark. Regardez, entre les petits cours de tennis, tranquille. Petite caméra, d'ailleurs il a dû voir que je filmais. Apprendre à être riche, avoir de mauvais goûts musicaux. Voilà. On peut écouter de la merde aussi. Généralement, les gens qui ont beaucoup d'argent ont toujours, enfin très souvent, de mauvais goûts. Hein. Donc en fait c'est Tony Stark qui est rentré avec son avion. Ah regarde, un petit poulailler. Ah, ils ont même un poulailler, bah regarde ça. Ah, je pense que c'est un poulailler, ouais. Regarde le voilier là-bas, putain, c'est on dirait un bateau égyptien. Ah, grave, il est trop beau. Putain, je sais pas si vous voyez. Il a trois voiles, hein. Il a deux voiles, non, c'est un phoque. Non, le phoque c'est devant, donc derrière c'est quoi? Ah, c'est une voile petite, mais je sais pas. C'est bizarre. Elle est très très beau. Pas chiant lui. Il est pas chiant lui. Hein? Super bas, lui, il est barjo quand même. Hein. Ouais, c'est là le droit. Hein. Alors, si c'est pas romantique. Ça, c'est beau, hein. Un petit pont. Un arbre en forme de pont. Est-ce qu'on va aux îles de l'Errance là? Avec les petits oiseaux qui chantent.
Quoi ? Je cherche l'aéroport. Bah, il est pas loin, hein. Il est juste à droite là. Non mais lui il est grave au sort. Regarde là-bas, regarde, t'as des avions de ligne qui décollent. Là t'as plein d'hélicoptères qui passent pour aller à Monaco. Regarde, mais il est super bas, hein. Regarde, il fonce dans l'eau. Non, ah, il est chaud lui, il est chaud. Je te dis, c'est Iron Man. Et Tony Stark. Putain, trop bien, on voit Tony Stark qui s'éclate. Ah bah voilà un bon titre pour ma vidéo. Tony Stark s'emmerde à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Il fait des tours d'avion. Lui vient de s'acheter son avion et il s'éclate. Alors regardez, il y a un avion juste en face qui décolle. Ah, il est chaud patate. Ou alors tu crois que c'est l'ado qui a trouvé l'avion de son père et dit venez les mecs, on va se faire un délire. Gravos, hein, lui. Hein. Tiens, l'autre, il est en train de se faire construire sa petite baraque, là, peinard. La crise, n'importe quoi, vous. Vous avez vu que c'était la crise. Vous voyez, est-ce que vous voyez la crise? Vous voyez la crise, là? Oh là là. Là, pour le soleil, pareil, ça doit être idyllique. Hein. Donc, un terrain militaire. Je savais même pas qu'il y avait un terrain militaire ici. Ils ont tout le budget de l'armée là, ils revendent. Grave. On a quelque chose. Ah bah là, tu revends ça à un petit milliardaire russe là. Mon entreprise ne connaît pas la crise. Alors les amis, je vous ai pris un petit truc, regardez. Il faut que je vous raconte quand même. J'ai eu ça dans ma boîte aux lettres hier. Chers voisins, bonjour. Au vu de l'actualité, nous vous permettons ce courrier afin d'avoir votre avis sur la situation actuelle et la hausse du prix du gaz. Avec une augmentation prévue jusqu'à 8 fois supérieure sur les factures de gaz. Certaines copropriétés ont décidé la coupure intégrale du chauffage cette année. D'autres alternatives comme l'achat d'un chauffage d'appoint électrique permettraient d'éviter la mise en péril de notre copropriété. À cet effet, nous vous interrogeons sur êtes-vous pour ou contre la coupure du chauffage cette année? Pour la coupure du chauffage, contre la coupure du chauffage. Non mais c'est une blague, sérieux quoi. Ça y est, c'est l'austérité, ça y est, on vit, ça y est, c'est la troisième guerre mondiale qui débute là. Hein. C'est un truc de fou quand même. On nous demande d'acheter un chauffage d'appoint, donc ça veut dire qu'on va se faire déglinguer sur la facture d'électricité. Sachant que le chauffage est compris dans mes charges, donc c'est soit on n'a pas de chauffage, soit on paye 8 fois plus. Le phare de Saint-Jean-Cap-Ferrat. C'est beau, hein? C'est super beau. Ah là là là, mais que la vie est géniale. Bon, sur la dernière vidéo, je vois les gens, je vais bien, je vais bien. Oh, j'ai des hauts, des bas, des remises en question comme tout le monde, mais je vais bien, je vous assure. De mieux en mieux, en tout cas. Donc, merci pour ceux qui s'inquiètent. Et j'ai beaucoup aimé le commentaire de Rose Virgule. Et de, évidemment, Stéphanie. Bah, Stéphanie, hein. Ça, de toute façon, tu le sais, hein. Voilà. À chaque fois que tu mets un commentaire, ça me touche direct au cœur. Voilà. Et beaucoup, et tellement d'autres, et tout. Enfin, tout le monde, hein. Mais merci, en tout cas, pour le soutien. Ça fait plaisir. Merci, merci. Merci à David, aussi, qui est devant. Et Daniel, je te fais une grosse bise, mon ami.
et les Nico et tout le monde. Et Van Tam, si tu regardes ma vidéo aussi, je te fais un petit clin d'œil. Parce que c'est Céline qui était partie. Ouais, je crois que tu as raison. Donc là, nous montons au phare. Qu'est-ce que c'est beau! Oh là là! Ah, je viens d'avoir une somptueuse idée. Je vais lui mettre la GoPro dans la main. Je vais faire une photo. Ah, mais il y a une grotte là-dedans, là. Je sais pas si c'est vraiment une grotte, mais... Non, il n'y a rien. Et au fond, on dirait... Je sais pas si ça...
Alors ça, c'est la première fois que je vois ça. Interdit à la chicha. Interdit de se bourrer. Ok, le reste, c'est à peu près machin. Interdit à la chicha, t'as vu, c'est la première fois que je vois ça. Il y a beaucoup toutes les plages ici, Matt. Ah, ça devait squatter le... Ah, les amoureux. Et voilà, on fait le tour. On va se mettre là, on va manger, prendre un petit café. On va regarder, on n'est pas bien ici. Hop, ils sont tous là, ils sont tous là-bas. Et puis voilà, et là il n'y a personne. Le pied. Voilà, lui il est bien aussi, hein, avec son petit catamaran. Là. Navette gratuite vers Paloma Beach. Donc Paloma Beach, c'est la plage là où on était. Il est trop beau ce petit van. Hyper bien entretenu. Ah, je me rappelle plus si j'habite là, à l'Ermitage, ou si j'habite là. Château de Saint-Jean, propriété privée. Chien très méchant. Ben nous aussi, hein. Rio, montre-leur. Allez, monte dedans. Ah, c'est pas dégueu. Ah, j'adore le... Ah, c'est pas mal, ça. Très, très beau. Ouais. Il y a de la petite baraque sympatoche, hein. Alors, enfin arrivé à la maison. Ah, enfin arrivé à la maison. Bah quoi, je m'entraîne pour quand je m'entraîne quand je gagnerai au loto, quoi. Même au loto, je sais pas. Pas au loto français, en tout cas, ça c'est sûr. Bah si, attends, si. Un euro million. Ah oui, un euro million, pas le loto. Bah les lotos, t'as des gros lotos, hein, des fois. Hein. Attends, 10 millions, je sais pas. Si tu l'as. Remarque, c'est vrai qu'on est. 10 millions, je sais pas. C'est vrai que. Alors lui, c'est carrément. Lui, il a un petit château, voilà. Moi, je tiens, poussez-vous que je mette mon château. Le mec, en face, ils sont assez modestes, hein, ils sont assez simples, mais pas lui. Non, non, moi, je... Voilà. Moi, mes descendants veulent que je vive dans un château. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? T'as vu le crépi à paillettes? Un crépi à paillettes, ah ouais, sympa. Bon, ben voilà, vous voyez, on est sorti de... du littoral. Du sentier du littoral, on arrive au port. Alors les amis, regardez, on dirait la maison de Higgins à l'époque de Magnum. On dirait trop sa maison. Il manque plus que la Ferrari GTB. Putain, c'est trop bon. Bon bah voilà, on arrive à la voiture les amis. Bah moi je vous dis à bientôt. Bon, je pense très rapidement. Tchuss. Ciao.